なんかタイトルだけもう嫌です。育児なしだな、本当に嫌だな。もうなんか限界、本当になんか普通の犯罪者。本当に皆さんこんにちは、えちゃんです。ベベちゃんチャンネルへようこそ。まさかまた日本で迷惑系外国人 YouTuber がバカな動画を撮影するなんて思わなかったけど、前に迷惑系配信者のジョニー・ソマリは逮捕されたのはいいニュースだったんだけど、これになんか懲りない人がいましたね。今回は、フィディアスという、キープロス人の YouTuber の動画が問題になっています。なんかタイトルだけもう嫌です。無料で日本を旅行したというタイトルです。どうしてどうしてのか、他の国に来て法律守れない。本当に意味わかんない、意味わかんない。なんかサムネも何これ、なんかなんで、本当にありえない。なんか日本人の顔も映ってて、もう全部なんか、なんで YouTube これバヌしないってやっぱりわかんない。結構ね最近トレンドになってるよね。このトレンドは終わってほしいよね、本当に。この動画は視聴者さんからメールに来て知りました。この動画チェックしてくださいみたいな。だからやっぱりタイトルとかサムネ見て、じゃあこれ絶対動画撮った方がいいと思います。これは動画撮ったらみんなは、あ、これダメですよって言ったら、多分日本のなんか政府とか警察も何かやるかもしれないよね。じゃあ見ましょう。I'm going to travel across Japan for free against these three YouTubers and the winner gets $10,000. $10,000 って100万、150万みたい。で、じゃあ全然お金の問題じゃないでしょ。なんかお金ないから、日本が、無料で、旅行したいじゃなくて、めっちゃお金持ってるんだけど、コンテンツのためにこれするって、法律守れないって、ありえない。確かに、この話、やらなかったんだけど、この人は全然なんかちっちゃい YouTuber じゃないよ。ジョニー・ソマリーと比べて、この人は、視聴者さん見て、230万だよ。230万、めっちゃ多い。動画の再生もめっちゃ多いよ。めっちゃお金持ちこの人と思う。ご褒美も150万円ってことは、全然貧乏じゃないよね。なんでこれするの。多分ね、俺は思うのは、最近はね、コロナ終わって、みんな日本が、行けるでしょと、みんなもちろん日本大好き、みんな日本素晴らしい、だから人が来てコンテンツ作って、みんなこのコンテンツ、なんか日本のコンテンツ見たい。外国人が。みんな日本素晴らしいと思うから。でも、il y a des gens comme ça aussi qui utilisent, on va dire, cette opportunité où en fait tout le monde kiffe le Japon pour faire du contenu de merde au Japon. Et ça, c'est horrible, quoi. なんか、字幕もあるね。め、字幕もすごい。43? やば。日本は?日本語は?日本語ないよね。もちろん日本語ない。もちろん。育児なしだな。本当に。めっちゃ今悪いことしてるって知ってるだよね。いやー、こんな人嫌いわ。Start! While I was running, I found some people in the bus station and they told me that the bus was 600 yen. I see for this. Don't trust this man, he kills people. めっちゃ迷惑かけないでね。なんで、僕は。かわいそう、本当に。何もわかんないでしょ、英語もわかんないから何が起こってるってわかんないって本当に好きじゃない。Don't speak English. The bus is coming and I have no money. じゃあ、バス乗らないでください。So I ask a stranger to give me some money. En fait, ce mec, il a plein d'argent et il demande quand même à des étrangers de donner de l'argent et ça, ça m'énerve. On sait pas, ça se peut le mec, il est étudiant, il a pas beaucoup de thunes, il lui donne 600 yens et lui, juste pour son contenu, alors que lui, avec cette vidéo, il va se faire de la thune. Ah, qui l'a eu, quand même, je t'en. This is our bus. Let's see if he will ask me for money. Moi, tiens. Okay,
didn't ask for any money. And just like that, I was way ahead of everybody. I think in Japan, people pay when they go out of the bus. It's time to go down, so hopefully he doesn't ask me to pay. Get off? Yes. 680. So, 600. Ah, 600 yen. No, no, 80. No. Police. No, no. Come on, police station. 80 yen. He locked me in the bus and drove me to the police station just because I was 80 yen. これいいと思う本当に。まあもちろんなんか80円ではなんか大したものじゃないんだけど、この話じゃないよ。これは尊敬の話。僕の仕事なんか尊敬してない。Les gens comme les chauffeurs de bus, ça travaille énormément, ça travaille très dur. Et c'est pas pour les 80 yens, c'est pour dire moi je travaille dur, toi tu me respectes. Et c'est très important parce que si on laisse les gens, bon, bah, c'est un étranger, c'est que 80 yens, du coup, allez, on laisse passer, c'est mort. Directement, police, quoi, ça se passe, voilà, je tombe. They started interrogating me and they took my phone away, so I couldn't film anything. Thank you. Oh my god, guys, I spent the last 5 hours with the police. Yeah. And after they got bored of me for 5 hours, they paid for my thing. All this stuff I told you about. Yeah, 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 お金払ったってすごいよな。なんか恥ずかしいな。恥ずかしくないあんた。本当に。T'as pas honte un peu de faire des trucs comme ça, d'ailleurs. 20 cents. Shit! I'm the last now, definitely I'm the last now. Le Japon s'est respecté énormément pour ses infrastructures et pour son staff. C'est-à-dire que quand t'es client, je veux dire, c'est exceptionnel d'être au Japon. Les gens, ils sont adorables, les gens, ils sont trop gentils, c'est super bien organisé, c'est propre. Et ça, c'est super important. Ça, pour moi, c'est quelque chose au Japon qui a beaucoup de valeur, en fait. Mais si t'as des gens qui font ça, mais quand veux-tu qu'ils aient envie de continuer, quoi? Ça te démoralise. Donc ces gens-là, non, quoi. En fait, il n'y a aucun respect, c'est ça, il y a zéro respect. Tu peux faire tellement de beaux contenus au Japon où tu n'as pas besoin de te faire chier les gens, quoi. The police already knows me, so I'm going to disguise myself. Now, being disguised, I'm ready to sleep in the train. This is my train. So let's hope that nobody gets me. And now it's time to teach you how to get the train for free. なにこれ。これは本当に普通に犯罪者。これは YouTube で動画撮れるってダメですよね。本当に。Get in the train and I will find the toilet and go straight to the toilet. Here is the bathroom. I will just lock myself the whole time in the bathroom. Pourquoi il a l'air si fier de lui, quoi? T'es pas un super aventurier ou qu'on respecte trop parce que tu te caches dans les toilettes, enfin. Non, c'est juste t'es ridicule et un criminel, quoi. Et non, si on me dit « Ouais, ça va, c'est bon le mec, il prend le train sans payer, c'est un criminel. » Oui, oui, c'est un criminel, tu fais pas ça, tu respectes, surtout quand t'es pas dans ton pays, quoi. Tu essaies d'avoir une belle image de ton propre pays, de montrer l'exemple et de respecter les infrastructures des autres, quoi. C'est quand même... YouTube, des fois, franchement, les SNS et YouTube, même si moi je suis YouTuber, ça crée vraiment de la merde, quoi. Le fait que tu puisses être vu et que les gens se sentent... Enfin, s'il n'y avait pas de caméra, ils feraient jamais ça. I think he is waiting for me outside. And I was right. He was just waiting to catch me. So the only thing I could do is to pretend that I'm sick. チケット見せてください。シー。ダメダメダメ、ノーノー。シー、チケット。チケットはダメダメ。やだな、もう。なんか、限界。なんか本当にこの人全然尊敬ないよね、なんでも。本当に育児なしだな。本当に。C'est très dur à regarder parce que... Ah, il a mis un commentaire. I apologize to Japanese people if you made them feel... Eh si, it was not our goal. Ah bah si, si c'était ça. I'm going to make more research... Non mais il raconte n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de culture. Je vais faire plus de recherches sur la culture. Je savais pas qu'au Japon on devait payer pour le train. Bah si, tu savais, c'était le contenu. Tu te caches dans les toilettes. Enfin, il n'y a pas de... C'est n'importe quoi. Ça vraiment... Que personne ne le croit, c'est un enfer. Il s'en est sort d'ailleurs. Bon, tout le monde, ça c'est cool. Tout le monde dit ça, quoi. Tout le monde dit... Ah, les Japonais qui parlent en anglais, mais... Bravo, il faut qu'ils soient... Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, le Japon, c'est des gens qui sont adorables. Ils acceptent tous les étrangers du monde entier. Et il y a énormément de gens, évidemment, des étrangers qui font des efforts pour s'intégrer, quel que soit d'où ils viennent, mais quand t'as des gens comme ça qui font n'importe quoi et qui n'ont aucun respect, mais ça me fout la haine. Le Japon est défini un tourist-friendly country, please don't abuse our kindness and politeness. Exactement, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Kore. Donc,
やばくない？あ、ね、これも1万7000って何？これダメダメダメ、やばい、これダメダメダメ、ノーノーノーノーノーノー、チケット、チケット、やばい、ダメ。でも When I sat down, he released me and immediately I started running.But he called the police and they are searching for me. やばくない？I ran straight to the next train I had to catch and I was hoping that the train will come before the police. This is so intense for me. I'm sure the others don't have these experiences. 何してる？本当にやばくない？これなんか、je m'attendais pas à une vidéo comme ça. Je pensais qu'il allait plus s'amuser, trouver des moyens en faisant du, en allant en hitchhack, truc comme ça, mais là, juste, c'est full criminel, quoi. Il y a la police qui le tient, il s'échappe, il prend un autre train, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, le mec, réveille-toi, quoi. Tiki. Ok. And just like that, we made 15,000 to get... What? 15,000, t'es sûr? Là, en fait, ce qui m'énerve, c'est que les Japonais sont gentils. Si t'es vraiment dans la merde, bah, ils vont t'aider, et tu le vois, 15 000 yens. Mais quand t'as des connards qui font ça, eh ben, ils vont arrêter d'être comme ça. Ou bah, ils vont se dire, bah, on donne de l'argent, mais que aux Japonais, parce qu'on sait qu'ils vont pas essayer de nous niquer. Alors que les étrangers, s'il y a une caméra, c'est mort, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. En fait, ce qui fait chier, c'est que eux qui habitent pas au Japon, bah, ça, ils niquent l'image, encore une fois, des Japonais, des étrangers, quoi. C'est vraiment un enfer. What? And it worked. I just have access What? To the 5-star Japanese buffet. And we're leaving the... なんかやばくないこれ。それもね、なんかやばい。本当になんか普通の犯罪者。本当に。なんか、c'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est levé dans son hôtel, qui a payé cher l'hôtel. もう限界。もうできない。もう本当に嫌です。Quel enfer. Quel enfer, quoi. Je sais pas quoi vous dire.Vraiment, je comprends pas comment des gens qui ont l'air des adultes, quoi, qui viennent faire ça au Japon. Et ce qui me fait chier, c'est qu'ils peuvent faire ça au Japon parce que les gens sont adorables. Et le problème, c'est qu'à force de faire des choses comme ça, bah, ils vont plus l'être. Et ça me fait chier parce que c'est tellement unique à quel point les Japonais sont gentils. Et j'ai vraiment envie de vous dire, continuez à l'être parce que c'est vraiment ce qui fait que vous êtes tellement spéciaux dans le monde. Et ne vous faites pas...ne laissez pas des gens comme ça gâcher qui vous êtes, parce que franchement ça vaut pas le coup. Et j'espère que voilà, depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé avec Johnny Somali, j'aimerais que le Japon devienne encore plus strict et réussisse en fait à avoir peut-être, comme les gens disent dans les commentaires, peut-être des gens qui vont être kick, des youtubeurs qui font de la merde, qui vont être kick, qui pourront plus jamais revenir. En fait, il faut faire l'exemple vite, qu'il y ait des précédents, en fait. Parce que si on commence à laisser ces gens faire ces contenus-là, que ça marche et que rien ne se passe, bah, y en a encore plus qui vont le faire. Je trouve ça déjà assez fou que ça existe. Enfin, je comprends pas comment YouTube peut pas ban une chaîne comme ça. Parce que là, c'est juste, c'est la loi. Donc à partir du moment, là, y a pas de prise de parti ou quoi. Il échappe de la police, quoi, avec sa caméra et il pose ça sur YouTube. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. 7000 commentaires. Et ouais, il se fait exploser. Ça veut dire quand même que personne n'est d'accord avec lui.C'est pas que je veux donner de la visibilité à ces gens, mais comme je disais, je pense que c'est important que le Japon sache ce qui se passe pour pouvoir agir vite, quoi. Pour savoir que ça, c'est faux pas, quoi. Ça, vraiment, c'est un truc, je comprends pas comment c'est possible. Je suis trop fier du Japon avec ce qu'ils ont fait avec Johnny Somali. On sait pas encore ce qui va se passer, je crois que c'est encore en. On n'est pas sûr, mais tant que déjà il est kicked out du Japon et qu'il peut pas revenir, ça sera déjà très bien. Le Japon, c'est vraiment un endroit qui est unique. C'est un endroit que le monde aime et il aime parce que le Japon est unique. Donc,Et pas de tolérance pour les gens comme ça, vraiment. Et je veux vraiment dire aussi que les infrastructures et comme je dis, le staff au Japon est exceptionnel. Et le monde ne se rend pas compte à quel point, bah, ça veut dire qu'ils travaillent dur. C'est vraiment ancré dans la culture. Et de ne pas respecter ça, ça me rend trop triste, quoi. Ni les gens, enfin, demander à des pauvres gens comme ça. Les Japonais, ils ne sont pas riches, hein, personne ne roule sur l'or. Par contre, c'est des gens qui travaillent énormément. Donc de leur prendre leur argent, mais même si c'est 1000 yens, c'est le principe.Tu prends pas de l'argent, alors toi t'en as plein à des gens, des travailleurs, juste pour faire un contenu sur la vidéo qui va en plus te ramener de l'argent. Enfin, c'est insupportable. Quel monde, les amis, quel monde dans lequel on vit. Je vous fais des bisous. Demain, il y a une vidéo exceptionnelle qui sort. C'est mes parents qui arrivent. Vous allez kiffer. Ciao tout le monde. Je vous aime.